Comment number one, toujours la théologie number one. Comment number one, c'est vraiment number one. Comment number one, c'est un, c'est pas deux, c'est un. Comment number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Félicitations Beleka na Congo number one. Tant on va number one tout c'est Bretagne, number tout est number one. C'est ça, président Raboyi. Ils allent rabouiller quoi? Ils allent vraiment bouiller. Presse en boca. Ils vont aller à Congo number one. Mais internet beaucoup de beaucoup de Congo number one. T'es natuni, t'es number one. Tout t'es number one natuni. Ils allent à Congo. Congo number one, Balobi, combo et la prophétie. Vous allez number one. Alors, c'est ma toute première question. De Kampala vers Brazzaville, croyez-vous que ça sera facile, Papi Tamba? La première chose qui est surprenante, c'est que un certain nombre de gens dans la classe politique congolaise se réveillent aujourd'hui. Mais c'est depuis longtemps qu'on savait que le 31 décembre, ça va être que l'échéance du mandat de l'Ouganda. Et qu'après l'Ouganda, au début, c'était deux pays qui étaient en lice, c'est-à-dire il y avait la RDC et le Congo-Brazzaville, pour que finalement le Congo-Brazzaville soit retenu. C'est l'aboutissement, tout simplement, des choses que tout le monde savait. Maintenant, je ne comprends pas cet affolement qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde maintenant commence à trouver d'autres agendas par rapport à cela. Vous êtes du pouvoir, ça vous réjouit? Je suis en train de vous dire que c'est l'aboutissement. Il n'y a pas un problème de sentiment là-dessus. Ce n'est pas un problème de sentiment, qu'on se réjouisse, qu'on ne se réjouisse pas. C'est clair que nous serons plus à l'aise à Brazzaville. Plus à l'aise pourquoi? Parce que d'abord, un pays qui est juste à proximité, ça permet le déplacement de nos délégués, les cas échéants. Et puis, deuxièmement, bon, c'est un pays qui n'est pas cité dans les rapports des conseils de sécurité comme étant un pays qui nous agresse. Donc, il y a un semblant de neutralité qu'on peut aussi, dès le départ, déjà faire observer. Il faudrait-il maintenant que cela puisse encore se justifier. Donc, j'ai dit que nous serons plus à l'aise. Mais je suis seulement en train d'insister sur un point. C'est que c'est l'aboutissement normal. Et aujourd'hui, je pense que la question ne devait même pas se poser. Quant à la présidence de la CIRGL et aussi du pays maintenant qui doit abriter les accords dans sa suite du 4 janvier. On revient à vous tout à l'heure. Quel est le point de vue de la société civile, Norbert Yamba? Soulagement du côté congolais ou vous vous dites il y aura équilibre dans les négociations? Bon, il faut dire que soulagement peut-être à cause de la proximité. Le Congo-Brazza, c'est un pays voisin, le plus voisin. Et que si les discussions doivent se faire à Brazzaville, je crois qu'on va réduire le coût de transport, parce que 40 personnes, vous voyez ce que ça va faire, une sorte de rentrée dans les trésors publics. Et puis bon, il y a des gens qui peuvent, tout en discuter à Brazza, ils restent à Kinshasa, etc. Et donc le coût sera réduit. Mais écoutez, il ne faut pas se leurrer. Déjà à Kampala, ils se sont mis déjà d'accord sur le règlement intérieur. Deuxième chose, ils se sont mis d'accord sur l'ordre du jour. Ce qui, visiblement, même si on changeait de lieu, c'est justement, on ne va pas remettre en question. On va suivre naturellement cet ordre du jour qui a été arrêté, dont chacun a un agenda. Bon, quand cela ne tient, c'est vrai que Kampala... étant donné que c'est un pays qui avait la présomption de soutenir la rébellion contre le Congo, bon, Brazzaville serait mieux placé, etc., pour que les discussions se forment. Mais il ne faut pas se tromper que les gens qui étaient déjà à Kampala avaient déjà réussi leur coup. Le premier coup qui a été réussi, c'est de dédouaner le Rwanda et l'Ouganda comme des agresseurs. Ça, c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez vu même M. Veni, au lieu même d'être lui-même sur place dans les discussions, il a laissé son ministre de la Défense. Ce qui atteste la thèse selon laquelle, bon, c'est un problème congolais. C'est très important, ça. Et donc, deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que on est dans un processus d'intégration. Je crois que Kampala, comme Kigali et le M23 sont en train de se réjouir. Parce que l'idée finale, c'est pas, il faut intégrer.
tous ces combattants dans les institutions de la République. Mm-hmm. Parce qu'ils sont réputés, ils sont censés être des Congolais. Et ça, c'est le bilitme recherché par Kigali et Kampala, parce que l'idée, c'est qu'il faut gonfler la démographie de la République démographique du Congo. Il faut construire une dynamique qui permette à cette filière de pouvoir s'intégrer dans les différentes institutions de la République. Il faut que cette filière soit dans les institutions, il y a l'impérium. Et donc, ils auront réussi leur coup. Même si ils vont évaluer, en fin de compte, il y en a combien aujourd'hui, vous savez, Mathieu, nous avons 9 généraux dans, sur cette filière. Nous avons 19 colonels, nous avons 70 majors, nous avons 300 capitaines, sans compter les différents les lieutenants et les caporaux, etc. Et donc, ils ont maintenant le pouvoir. Alors maintenant, les gens vont dire, non, Brazzaville, c'est très bien, etc. Non, Brazzaville, c'est très bien, mais le schéma, il est là, il est opérationnel. Donc, la fin de compte, c'est pour vous, ce n'est pas un problème des médiateurs, c'est un problème entre le parti qui a... Tout à fait, ce n'est pas un problème des médiateurs, ça se peut être un bon monsieur qui nous aime bien, etc. Mais il y a des partis à présence et qui discutent sur des questions qui concernent leur agenda, et donc il ne doit pas remettre en question cela, il doit être impartial, et par rapport à cela, moi j'ai dit, en somme, un parti, quoi, voilà. Voilà, Fontoto, vous êtes géniteur de la troisième voie. Vous êtes donc de l'opposition. Une opposition vous a représenté aux négociations de Kampala. Nous parlons du Badi Bangué de François Mwamba. Satisfait aussi, vous qui êtes de l'opposition, de ces changements de Kampala vers Brazzaville qui pourraient avoir lieu? Une précision. La troisième voie, en tant que courant de pensée, ne s'aligne pas. Mais le parti politique de la troisième voie est à l'opposition. Exact. Ça, il n'y a pas de balle. Le socialisme ne peut pas être aligné à l'opposition, à la majorité. Ce sont des courants. Un courant, c'est une vision d'État, est une pensée. Une opposition nous a représentés. Je vais répondre par là. Le président Kabila refuse qu'il y ait les porte-parole de l'opposition. Lui, en tant que garant des institutions. Alors, dans quel format juridique peut-on encore associer l'opposition? Ça, c'est un autre sujet. Non, répondez à la question. Exact. C'est pour vous dire qu'on a débauché, comme d'habitude, les opposants. Alors que pour nous, la troisième voie, ces opposants qui sont dans les institutions parlementaires, si je peux dire, les institutions parlementaires, alors que les contentieux électoraux perdurent, pour nous, ce sont des faux opposants. Ça, c'est un. De deux, vous avez vu Badi Bangué, Christian, qui dit qu'il est allé pour de bonnes intentions, et que les autres ont exigé des sommes d'argent. Exactement. Il y a la liste qui circule sur ces, la liste de ceux qui ont reçu l'argent. Vous ne verrez pas les noms de Fumutoto et des membres de la troisième voie. Nous n'avons pas foi à cette opposition. Parce qu'il n'y a pas un format juridique qui permette à la majorité institutionnelle de négocier avec l'opposition. Mais nous savons qu'en politique, on peut aujourd'hui se dire opposant et demain on entre dans la majorité, on est libre. Mais ce qui est drôle chez les Congolais, c'est que même quand on sait qu'il est déjà à la majorité, il veut continuer à distraire le peuple congolais. De Kampala Brazzaville. De Kampala Brazzaville. Je veux dire à Papi Tamba qu'il ne faut pas dire que c'est maintenant que nous découvrons qu'il faut aller à Brazzaville. Il ne faut pas taxer la classe politique congolaise de l'ignorante. Non, je ne vous donne pas cette opportunité. Il ne s'est pas attaqué à vous, Fumutoto. Il a dit c'est maintenant que les gens s'acharnent, c'est une suite logique. Mais qui s'est acharné alors que tous nous avons l'information? Il pouvait nous citer les groupes qui s'acharnent pour n'avoir pas eu l'information de cette transition. Non, tout le monde connaissait qu'il y a les mandats rotatifs. Il n'y a pas de débat là-bas. Nous sommes stricts, nous, la troisième voie, que nous sommes contre l'esprit de M. Kabila qui voudrait inculquer aux Congolais la culture de la prise des armes pour avoir des postes politiques et militaires. Et il est très avancé dans cette culture-là de négliger les gens qui ne tiennent pas les armes, de ne pas dialoguer avec eux, et de chaque fois après les élections que lui-même continue à gagner, il va toujours négocier avec ceux qui n'ont pas participé au processus. De Kampala Brazzaville. Je suis là. En 2006, rapidement, il gagne les élections. Jean-Pierre Bemba accepte les élections. Il va faire Amani 1, Amani 2. Il va intégrer ceux qui n'ont pas participé au processus dans les institutions. Mon grand frère Yamba Yamba a essayé de vous faire voir quel est le vrai problème des Rwandais. Le gouvernement nous a dit que nous ne sommes pas dans une rébellion, en face d'une rébellion, nous sommes en face des agresseurs. Et ces agresseurs identifiés par les études des experts des Nations Unies, ce sont les Ougandais et ce sont les Rwandais.
Le gouvernement dit qu'il ne va pas négocier. Mais à cause des changements des rapports de force, la chute de Goma notamment, le gouvernement se retrouve sur les tables de négociation à Kampala, humilié devant un ministre d'affaires de la Défense ougandais. Nous nous posons la question. Négociation entre qui, autour de quoi et pour quelle finalité? À Brazzaville, oui, question de proximité, question de crédit, parce que Sassou Nguesso, Denis n'est pas n'importe qui. Je crois qu'il a le crédit d'avance des Congolais. Mais pour traiter quelle question de fonds? Ah voilà, question de rapport question entre agresseurs congolais et gouvernement congolais. Ou on va y revenir tout à l'heure, entre les rebelles congolais et le gouvernement congolais. On revient tout à l'heure. De l'opposition, donne la parole à la majorité présidentielle. Ernestine Nyoka, ça vous fait du bien? Vous dites ça va avancer. Si c'est un jugement, ça serait équitable de Kampala à Brazzaville? Mathieu, je crois qu'il ne faut pas s'élever. Je crois que la première préoccupation, elle est d'ordre psychologique. D'ordre psychologique, pourquoi? Parce que la République de Brazzaville est juste à côté. Donc il y a des questions pécuniaires qui seront amoindries. Elle est d'ordre psychologique parce que les acteurs politiques qui peut-être n'ont pas été mis dans la délégation peuvent aussi aller à Brazzaville. Elle est aussi d'ordre psychologique parce qu'on se dit dans le rapport des Nations Unies, le Congo-Brazza n'a pas été cité. C'est l'Ouganda et le Rwanda qui a été cité. Et donc, moi je pense qu'il n'y a pas de surprise quant à ça. Bien au contraire, il faut redoubler de vigilance. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'anticipons pas, eh bien nous risquons de tomber dans un cercle vicieux qui ne pourra ne pas nous servir. Ah voilà, aujourd'hui vous êtes très très bref, hein. Faut plutôt de récupérer la parole. Alors, ma deuxième question, c'est le même ordre du jour, du débat qui va continuer, ou selon vous, il y aura du changement dans les négociations? Est-ce que ça pourrait changer la position du M23 depuis le débat? Je commence avec vous, Fumutoto. Il faut que les Congolais puissent faire la somme de toutes les communications autour de la question à l'est du pays. Barack Obama, alors président des États-Unis d'Amérique, demande à Kagame de contribuer pour qu'il y ait la bonne gouvernance à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que nous avons un chef d'État ici, qu'est-ce que cela veut dire? L'ancien président français Chirac, l'ancien boxeur Mohamed Ali et consorts demandent à la MONUSCO de trouver réponse à l'insécurité à l'est du pays. Nous quittons maintenant Kampala pour aller maintenant à Brazzaville. Il n'y a aucun nombre de doutes sur le crédit que nous accordons à la personnalité de M. Denis Sassou Nguesso. Mais maintenant, la question qui reste suspendue, c'est celle de savoir les négociations à Brazzaville ou à Kampala, c'est entre les rebelles et le gouvernement. Monsieur le président Kabila a dit ceci: nous devons parler de la cohésion nationale. Il a mis trois fronts, le front diplomatique, militaire et politique. Mais lorsqu'il dit que même la société civile doit être mobilisée, la société militaire civile étant apolitique, elle sera mobilisée dans quel front? Quatrième, cinquième ou septième front? En cours de contradiction, nous allons à Brazzaville avec quelle opposition? Celle qui n'a pas reçu le mandat des autres opposants? Ou bien cette opposition que nous avons débauchée et dont l'opinion publique connaît qu'ils sont déjà à la majorité? Pourquoi n'est pas à la toujours à la majorité? Vous pouvez les citer et moi je peux vous détailler comment ils ont toujours été à la majorité. Pourquoi dévier les vrais problèmes? Le premier problème dans notre pays, ce n'est pas les conflits intestins entre les gens de la majorité. Il faut que les gens découvrent, comme je l'ai dit la fois passée, CNDP, parti membre de la majorité présidentielle, et M23 sans procuration préalable du CNDP réclame l'échec des accords signés entre le CNDP et le gouvernement. Au lieu que le gouvernement soulève question de vice de forme en disant « Mais moi j'ai signé les accords avec le CNDP. Ce sont ces accords-là que j'ai respectés, je prétends respecter 80%. Vous, M23, vous avez quelle qualité juridique de réclamer les accords que j'ai signés avec une autre personne morale ?»
C'est-à-dire que pour le gouvernement comprend réellement que le M23 signifie autrement le CNDP. Or, le CNDP est dans la majorité présidentielle. Ça veut dire que ce sont des conflits entre les gens dans la poche de M. Kabila. Alors, ces conflits-là n'engagent pas le Congo, mais c'est plutôt les conséquences de ces conflits qui engagent le Congo, parce qu'il y a la mort de nos frères. Deuxièmement, après les élections bâclées, nous avons dit que les élections n'étaient pas bien organisées et que Tshisekedi avait... Je termine. Avec les débats. C'est-à-dire pour nous, les peuples congolais, les vrais contentieux restent les contentieux électoraux. L'M23 n'est que l'un des problèmes. Les revendications de la diaspora qui s'est mis à taper sur les autorités précède, bien entendu, la guerre du M23, 23 mars. Pourquoi nous allons sauver tout ce que nous avions commis et revendications légitimes et légales seulement autour de ceux qui ont choisi les armes comme moyen pour arriver au pouvoir? Heureusement qu'ils ont un président qui n'écoute que les langages des armes. Alors, autre son de cloche, c'est qu'en lisant le potentiel paru aujourd'hui, je cite, Brazzaville serait mieux placé pour arbitrer les négociations entre les frères ennemis congolais. Papi Tamba, c'est vrai cette version que cette crise était serrée à Congolo-Congolaise? Je ne sais pas aujourd'hui par quelle magie vous me donnerez moins de paroles par rapport aux autres. Mais avant de prendre la parole, je vous sollicite déjà un équilibre, parce que j'ai aussi des minutes à rattraper. Vous avez 4 minutes, sans faute. Merci beaucoup. Il faut commencer par réparer un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Monsieur Fumoto est dans les juridismes. Ça, ce sont des principes et des cas d'école. Et c'est quelque chose qu'il aime. La réalité, c'est quoi? C'est que vous avez un mouvement rebelle qui occupe votre pays jusqu'à occuper une grande ville. Quand on est un homme politique, on gère les faits. Et ce mouvement dit tout simplement que voilà, nous sommes une dissidence de telle branche. Vous allez négocier avec eux, vous allez discuter avec eux, vous allez les combattre, vous allez les pourchasser. Bref, vous allez utiliser les moyens de l'État pour essayer de préserver la population qui est dans les coins qui a été occupée. Et nous sommes dans les schémas. Lorsque les grands frères ici disent que non, voilà, Yamba Yamba, il nous dit aujourd'hui que non, voilà, et c'est un discours que nous sommes habitués d'entendre ces derniers temps, que le Rwanda est dédouané. Cette phrase-là me frustre quand je l'entends. Nous ne devons pas faire jouer l'amalgame ou jouer dans les sophismes des génies, sinon nous risquerons de nous perdre. Nous devons savoir de quel forum dont nous parlons. La RDC, qui a saisi le comité des sanctions des experts des Nations Unies, des conseils de sécurité, qui à la fin, après enquête, ont émis un rapport et nous attendons la suite. Dans un forum précis, la RDC doit gérer une autre crise au niveau de la région. Et au niveau de la région, lorsque nous acquisons un pays comme le Rwanda, ce n'est pas parce que nous allons à Kampala que Kagame n'a pas payé, et plutôt que le président Obama n'a pas payé Kagame. Ce n'est pas parce que nous allons à Kampala qu'on n'entend pas à gauche et à droite que le Rwanda continue à être indexé et que les gens continuent à réclamer les sanctions jusqu'à aujourd'hui. L'action diplomatique en temps de crise, elle est multiforme. Les chefs de l'État ouvrent plusieurs canaux, ouvrent plusieurs portes, parce que la paix, il faut la ramener et la ramener avec de l'intelligence. Vous comprenez? Exactement. Lorsque Fumoutoto aujourd'hui nous parle des hommes qui se réveillent, des grands de ce monde, pour demander par exemple à la MONUSCO, au niveau de l'ONU, par exemple, de revoir un peu les mandats. Mais vous savez cette phrase, même le président François Hollande, en venant ici sur notre territoire, il n'y a pas 4 mois, il a tenu un discours ici, qui est le président du Conseil de sécurité aujourd'hui. Il avait bien dit que le mandat de la MONUSCO doit être comment revu pour le rendre un peu plus clair. La phrase, on ne le dit pas aujourd'hui. Si cette phrase commence à être prononcée, c'est tout simplement parce que les Congolais, du pouvoir, si vous voulez, que je sois un peu plus précis, sont en train de mettre en place une diplomatie agissante. Ah, voilà. Aujourd'hui, la donne change. Hier, la RDC agressée, mais toujours bourreau des Rwandais. Aujourd'hui, la RDC agressée est victime. Et en diplomatie, ce n'est pas rien. On ne change pas une donne aussi facilement. Parce que hier, nous étions bourreaux, pourquoi? Parce qu'acquisés comme un pays qui continue à abriter les FDLR. Aujourd'hui, le prétexte rwandais étant vidé, les Rwandais se peinent, se mobilisent dans tous les sens. Même pour ramasser encore l'histoire des FDLR, les Rwandais n'arrivent plus à convaincre. Alors, une question, vous allez continuer avec votre point de vue.
Rentrons dans notre thématique de Kampala Brazzaville. Vous qui êtes du pouvoir en place, vous ne craignez pas ramener les ennemis, les rebelles, vraiment aux portes de la capitale? M'attendez. Alors qu'ils nous ont promis qu'ils prendraient, qu'ils arriveraient à la capitale, vous ne craignez rien? On parle de délégation. Mais monsieur Mathieu, je pense que j'ai senti une contradiction de l'autre côté et je vais beaucoup plus me pencher du côté de monsieur Yambayamba. Ah voilà. Il a raison. Va revenir à ma question. Il a raison lorsqu'il dit par rapport à Brazzaville, c'est que c'est le même cahier des charges qui contenu. C'est le même document. Des gens qui ne sont pas partis à Kampala, je parle de nos opposants, qui ont été invités, ils ne doivent pas considérer. C'est pourquoi j'ai dit que Brazzaville n'est que l'aboutissement, c'est la continuité. Maintenant, ils veulent présenter Brazzaville comme maintenant un nouveau cadre où il faut encore un nouveau cahier des charges. Il faut un nouvel ordre du jour et il faut maintenant intégrer de nouveaux éléments. C'est à vous de répondre pourquoi l'invitation de l'opposition. Qui a dit ça ici? Vous suivrez la rediffusion de l'émission et vous suivez aussi vos amis opposants à la télé. Vous savez ce qu'ils disent. Nous sommes pas venus. Nous sommes en train de dire non. Vous êtes de l'opposition, Fumutoto. C'est Fumutoto. Je n'engage pas les autres. Vous avez pris la parole et j'ai eu la délicatesse et la gentillesse de vous écouter. Parce que vous avez ajouté dans mes mots. Vous pourriez tout simplement, monsieur Fumutoto, je n'ai pas ajouté dans vos mots, mais même si j'ai ajouté dans vos mots, essayez d'être fair play pour parler quand vous aurez le temps de parole. Alors, quand vous aurez plutôt la parole. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Maître Enersine, hein, nous devons continuer à multiplier la vigilance. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous allons à Brazzaville que nous allons dire qu'à Brazzaville, maintenant, le M23 n'est plus une rébellion, que le M23, en réalité, ils n'ont pas de revendications, parce que le chef de l'État a dit une chose qui peut-être est passée inaperçue. Il a dit par rapport aux négociations de Kampala, par rapport au pourparlers de Kampala, il faut tenir compte des deux paramètres. C'est la vérité et l'établissement, la responsabilité des responsabilités. L'établissement des responsabilités. Exact. Ça veut dire que nous devons établir les responsabilités. Ce n'est plus comme en 2009. En 2009, les Congolais ont fait confiance. Ils ont fait confiance à des gens qui leur ont dit que, voilà, pour la paix, nous acceptons telle idée, nous sommes des Congolais, on va tous concourir pour cette paix-là, et donnez-nous de la place dans l'armée. On leur a fait confiance, aujourd'hui ils ont abusé de notre confiance. Ça risque de revenir encore une fois. Mais non, mais puis je suis en train de vous dire que de plus. Quand nous parlons, je suis en train de vous dire que ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la responsabilité de Sultani Makenga est établie. C'est-à-dire que Sultani Makenga n'est pas quelqu'un que nous allons accepter dans nos rangs comme général. Mais on présentera d'autres. La donne change. Visage. C'est un exemple. Quand je parle de Sultani Makenga, ce n'est qu'un chat parmi les animaux. Parce que le chef de l'État l'a dit, toujours dans le cadre de ces négociations que nous connaissons, toute nouvelle forme de tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Ah voilà. Alors, Madame Ernestine, on vous donne la parole. Vous allez terminer à la société civile. Nous avons vu le président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à Kigali avec Paul Kagame, ici à Kinshasa avec le président Joseph Kabila. Question d'un observateur, vous ne craignez pas rapprocher les ennemis ces rebelles de la capitale Kinshasa? Mathieu, je crois que lorsqu'on est dans son bon droit, on ne peut pas craindre qu'il y ait un changement à la tête de la CIRG, de la présence à la tête de la CIRG. Lorsqu'on est dans son bon droit, bien au contraire, il faut fignoler son dossier. Congo number one, c'est vraiment number one. Congo number one, c'est un, c'est pas deux, c'est un. Congo number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Parce que je suis belé quand à Congo number one. Number one, tant que number one, tout c'est bruité, number tout est. Number one. C'est ça, précis à Raboui. Congo number one, 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 Congo number one,